Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Blacky White et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre let's play sur Resident Evil 3. Donc sans plus attendre, c'est parti, continuons notre let's play. Donc nous étions quittés sur un épisode haut en couleur, haut en frayeur je dirais même, hein, où nous sommes donc dans les égouts à la recherche de la batterie que nous avions trouvée d'ailleurs dans l'épisode précédent. Hop là, alors, donc vu que j'ai joué hier seulement, je me remémore vite fait ce qu'il y a. Alors ça, je savais qu'on peut le combiner avec ceci. Voilà, des grenades incendiaires, parfait. Qu'on va stocker du coup. Poudre noire, poudre supérieure, je vais faire ça, tac, pour créer des balles de pompe. Histoire d'être rodé, parce qu'on n'en a pas assez. Et donc on va continuer là où on en était. Alors ça, je l'avais lu. Ah non. Merci d'avoir acheté le lance-grenade XXXXXXX. Voilà, beaucoup de X. Nous avons effectué quelques modifications sur cette arme pour qu'elle soit compatible avec de nombreux types de munitions. Pour des performances optimales, assurez-vous de choisir les cartouches adaptées à chaque situation. Comme précisé au moment de l'achat, ceci est un modèle reconditionné et la chambre doit être rechargée manuellement entre chaque tir, ce qui nécessite un petit temps supplémentaire. Comme convenu, le prix reflète ce léger désagrément. Il y a une note manuscrite au verso. Grenade explosive, explosif A x2, grenade incendiaire, explosif A plus explosif B, et grenade d'acide, explosif B x2. Mine, impossible à fabriquer nous-mêmes. Les mines ne sont pas efficaces contre les gammas, inutile d'en acheter. Ah, il était là! Parfait, lance-grenade direct, allez, hop! Par contre, j'ai trop de choses dans mon inventaire. C'est un peu compliqué de tout gérer. Donc je pense que je vais mettre le crochet dans le coffre. Hop. Et on va prendre les grenades incendiaires. Et on va voir si est-ce qu'on peut les recharger. Voilà, comme ça on regagne de la place. On... Par contre, je ne pourrais pas reprendre le crochet. Je sais pas s'il faudrait... Non, je vais garder le lance-grenade. Parce qu'avec les balles de pompe, je peux savater la chevron des gammas sans problème. Mais si j'ai pas de place pour prendre la batterie, ça risque d'être compliqué. Donc allez, c'est parti. On va prendre le pompe direct pour laver leur chevron. On va bien réussir à continuer cette aventure quand même et arrêter de papillonner partout. Parce que bon, c'est pas le but du jeu. Alors, je crois que c'était par là. N'empêche, les égouts, c'est vraiment stressant. Hein. Je sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais en tout cas, pour moi, qui suis un véritable couard, c'est très compliqué de tout gérer dans les égouts, parce que déjà, j'y vois que dalle. Et en plus, je flippe comme, j'allais dire, comme une gonzesse, mais c'est très misogyne, ce que j'allais dire. Excusez-moi. Mais je flippe comme une flippette. Je pense que ça passe comme... comme expression, donc il n'y a plus rien à voir de ce côté-là. Maintenant que j'ai la batterie, je vais pouvoir aller voir certaines choses. Alors par contre, excusez-moi, juste 2 secondes. Et re les amis, excusez-moi, c'est juste que j'ai remarqué qu'à certains moments, j'avais le jeu qui se mettait à, comment dire, à pixeliser tout seul. Ouais. Il y a des bruits qui me font flipper, hein. On va pas se mentir. Bon, là j'y étais déjà allé. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Tiens, bouffe! Bouffe, j'ai dit! Bouffe! Mange les plombs! Tu aimes ça, on dirait! Putain, il est résistant, lui! Voilà. Bon, ça va être compliqué d'affronter les prochains. Avec seulement 4 balles de pompe, ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce qu'il faut que je passe par là? Non, il faut que je passe par là. Ah! Bah encore un. Ouf! 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 Il aime manger celui-là, hein. Allez! Tiens! Cadeau!
Ah, compliqué par contre, au pistolet, ça va être compliqué. Hein. Il faut très vite que je retrouve des balles de pompe. On va prendre la grenade. Je vais continuer d'ouvrir sa bouche, je vais me faire avaler. Si t'aimes bien les Smarties, je suis pro à lancer de Smarties, monsieur. Ah mais, putain, mais... Elle sait se dépêcher. Voilà, hop. Ok, là, y a rien. Mais c'est une blague. Ah, il est mort, c'est bon. Au pistolet, il est un peu plus compliqué à gérer qu'aux pompes, hein, parce qu'aux pompes, tu tires juste dans sa bouche quand il l'ouvre trop, et puis c'est bon, quoi. Mais j'ai plus de batterie. Attends. Faut que je la récupère à chaque fois la batterie. Mais du coup, ça referme la porte, non? Ah non, tu peux trouver qu'une. Pardon. D'accord. Bon, à savoir. Tiens, on va ouvrir ça. Mais attends, mais du coup, si j'ouvre ça, je peux aller la récupérer, la batterie, du coup. C'est bon, ça marche. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait aussi. Il y a un système comme ça, ok. À tout moment, je peux me faire surprendre par un de ces autres gamas, là. Hop. Ah, oh oui, la sacoche, elle tombe super bien, celle-là. Parfait. Je vais pouvoir transporter le... Comment il s'appelle? Le lance-grenade. De la poudre noire, nickel. Y a rien d'autre ici. Mais il y a vraiment que d'elle ici. À quoi ça sert de venir là du coup? Je me mets bien auprès de toutes les parois pour être sûr que je ne peux rien, mais... Non, non, cette zone sert à rien. À part récupérer une sacoche. Bah, c'est déjà très bien, tu vas me dire. Vous pariez qu'elle a un gamin me saute dessus vu que j'ai récupéré la sacoche? Là, il va apparaître juste là. Je préfère tellement avoir tort dans ces moments-là, mais il va tellement apparaître sur la gueule là quand je vais remonter. Enfin, quand je vais descendre, pardon. Non, c'est bon, tu me laisses tranquille. Cool. Hop. Par contre, vous savez quoi? Je vais aller demi-tour là, je vais aller voir là-bas pour aller chercher la malle là pour aller récupérer mon lance-grenade. Parce que je pense que le lance-grenade risque de lui piquer au gamin. J'espère. Hop. Alors, lance-grenade, tac, on prend. Et je sais pas si je vais bien faire, mais je vais prendre le... Ah non, je vais pas prendre le crochet maintenant. Pire, je ferai un demi-tour. On va sauvegarder vite fait. Tac. Hop là. Alors oui, moi je sauvegarde beaucoup. Hein. C'est pour ça que le challenge, finir le jeu en moins de 5 sauvegardes, des choses comme ça, très peu pour moi, clairement. Hop. Allez. On va passer par là. À mon avis, là, je vais me faire accueillir. J'aime pas ces couloirs. Carlos, tu m'entends maintenant? Jill, tu m'as foutu la trouille. Non, sans blague. Tout va bien? Ouais, ça va. Je les mets. Parfait. Le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas cette échelle. C'est bien ce que je disais! Je le savais, mais je suis un devin, je suis un développeur du jeu, c'est pas possible! Quoi? Non mais t'as pas... Pardon? Attendez, pardon? Attendez, j'ai déjà que ce mec, c'est... Non mais regardez la taille de ce monstre, bordel de... Il est hyper fort, il est rapide, il met des droites, c'est un boxeur le machin. Et en plus, il a un lance-flamme. Mais bordel. Bon, raccourci. On va aller là. Non, la grenade, faut que je la garde. On va la mettre à la place du couteau, parce que là, le couteau, il va servir à rien. Oh, alors toi... Aïe.
Stones. Ah, ça brûle. Je peux utiliser des armes? Ben oui, apparemment. Ah, une malle. Alors, on va récupérer... Ah, parfait. Je vais pouvoir fusionner les deux explosifs. Grenade explosive. Parfait. Une herbe. Nickel. Pour se soigner au cas où. C'est parfait, ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas de truc de... Ah, si, il y a un truc de sauvegarde. Je vais directement sauvegarder encore une fois. Parce que là, c'est pas le tout, mais je serre un peu les fesses. Tac, tac, tac. Alors, ça, on va le ranger, du coup. Ok, bon, ça devrait le faire. Par contre, je crois que les grenades enflammées vont servir à rien. Donc, on va charger les grenades explosives maintenant. Parfait. Mais non, mais normalement, ils sont censés. Oh, mais aïe! Alors normalement t'es censé être infecté quand tu te fais mordre, bon c'est pas grave. Ah. Bah on a compris. Il faut que je sorte. Vite. Alors oui. Par contre est-ce que je suis en danger ou quoi que ce soit? Je suis en attention, on va manger une petite plante histoire de quoi un peu plus vite. Ah putain faut maintenir. Allez. Cours, accès à X. Non, les échelles, je les aime pas. Eh, je viens de te le dire. Non, mais ce mec, c'est un boss, hein. Quand même. Enfin, c'est le cas de le dire, du coup, mais... Il est trop fort. Ah, Burk. Vas-y, il fait moins peur avec son arme qu'avec... Quand il en a pas en fait, hein, clairement. Mais bon, je suis pas serein quand même. Hein. Je vais vous l'avouer, je suis vraiment pas serein quand même. Hein. Allez, cours, chill. Mais cours plus vite. Ah, va se péter la chaussure. Voilà, c'était sûr. Mais j'aurais pu le créer ce jeu en fait, hein, clairement. Hein. Monte. Ok, donc là c'est une petite pause. Cool, on va re-sauvegarder au cas où. Parce que moi je me connais. Alors, retard de la démolition. On va se faire une petite lecture en attendant. En raison des émeutes qui touchent la ville, nous avons pris la décision de suspendre la démolition du Barnaby Office Building. Pour des raisons de sécurité, tous les équipements électriques, y compris les générateurs, ont été déplacés vers le toit. D'accord, donc ça sent le combat final sur le toit. L'accès au bâtiment est interdit et tous les employés sont priés de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Ok. Non, je vais pas sauvegarder, merci. Je vais quand même récupérer la poudre noire au cas où. Parce que si j'en trouve là-haut, ça pourra servir. Allez, go, 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 go. Va falloir que je juste avatte la chetron ici. Beau gosse. Enfin, quand je dis beau gosse, c'est pas sur sa beauté, hein. Ok, amène-toi. Pouf. Pouf. J'ai dit. J'ai dit pouf encore. Aïe, 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 aïe. Pouf. Attendez. Ça tranquille durant le combat, c'est cool ça. Raté. Raté. On prend de l'herbe au passage. On passe de l'autre côté.
Hop. Tiens, bouffe-le celui-là. C'est bon? Hein, c'est bon? Non, 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 j'ai rien dit. Excuse-moi. Combiné, vite. Hop là. On va bouffer la plante verte. Ça, on fout ça là. Les munitions, vite. On fait le tour, il va vouloir. Il est encore debout? Ben ouais, il est chaud, hein. Attendez. Mais, je me trompe de touche, je suis un boulet. 4. Tiens, bouffe! Stars! La pêche, t'es la chetron! Oh, c'est haut! Saute! Oh, bordel! Tu vas voir qui va se relever. Tu paries, il se relève? T'es un peu dans la mouise là, Jill, hein. On va pas se mentir que t'es un peu dans la crotte là. Aïe. Oh oh. Esquive parfaite. Bien joué. Bonne journée pour les Stars. Allez. On se barre d'ici, y a pas des trucs à récupérer. Maintenant qu'on lui a laté la chatron, on devrait être tranquille. Par contre, niveau balle de... J'ai Carlos, pas le temps de voir. C'est Jill, tu me reçois? 5 sur 5. Ça va? Ouais. Cette fois, il est mort. Non. Nickel. N'y crois pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'appât? T'aurais pu te faire tuer. Commence pas. Bah, je suis une nana plutôt jolie et il a l'air d'être un peu moche, donc à mon avis, il a envie d'avoir une copine, donc c'est pour ça qu'il m'a suivi, hein. Le métro est prêt à partir. Je rigole, hein, c'est une blague. Allez, grimpe. Je la sens pas, cette échelle. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. Par contre, l'animation des mobs de loin, là par contre, vous foutez un peu de notre chetron là, Capcom, hein, parce que. Hop, on va les esquiver, y'a pas besoin de les tuer. Eh, mais je reconnais! Mais oui! C'est dans Resident Evil 2! On arrive à un endroit ici, même que là, y'a un zombie qui casse la porte. Oh non, me dis pas qu'il faut le. Mais oui, mais je reconnais cet endroit. Canon semi-auto. Parfait. Hop, combiné avec le pont. Ah, il prend deux places. Ah mince, alors ça c'est un peu problématique, ça. Par contre, est-ce que je suis touché? Donc normalement, j'ai pas... Ouais, voilà, c'est ça. Il faudrait que je revienne là, si je peux. J'espère que je peux. Oh, en plus, il y en a trop et tout. Oh, j'ai les munitions de pistolet. Oh non, c'est une blague. C'est une blague. J'espère que tu... Oh merde, Jill. Baudin. Kendo, t'as rien? J'ai rien. C'est vite dit. Désolé, je voulais pas te faire peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'espère qu'on va revenir, par contre. Écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens? Le métro? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utile, ouais, tu sauf sais. Que ta fille était infectée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi, je vais m'arranger autrement, d'accord? Bah oui, va croiser Léon. Y'a intérêt, t'es le meilleur armurier qui soit. Ah oh, non. Pas de risque inutile, d'accord? Le risque, c'est ton métier, hein? Sois prudente, Jill. Oh, t'inquiète pas que je vais être prudent. Ben non, ça je peux pas la prendre non plus. Ah, une mallette au bon endroit, au bon moment. Alors ça, on va déposer. Ça du coup aussi. Du coup, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Les balles, comme ça, on peut recharger. Parfait.
on va prendre les petits trucs, on va créer. Enfin non, on va les mettre de côté surtout, je pense. Hop. Tac, alors ça c'est fait. Et on va sauvegarder, puis on va se laisser là, les amis. Bon, ça aurait été un peu court comme vidéo, je le sais, excusez-moi. Mais je pense qu'on a fait un bon petit truc entre la poursuite du Némésis, les égouts, enfin la fin des égouts, le combat final contre Némésis, je pense que c'était bien. Donc écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche si vous voulez être au courant des dernières vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, prenez soin de vous et à plus tard.